Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Annie Andrieux, je suis chercheure à l'Institut des neurosciences à Grenoble et je suis aussi la présidente de la Société des neurosciences. Donc, c'est une société savante qui, depuis plus de 20 ans, organise et coordonne au niveau national durant le mois de mars, cette semaine du cerveau. Donc, c'est une manifestation internationale qui a lieu dans une centaine de pays, 120 villes en France, et elle a pour but de sensibiliser le public à l'importance de la recherche sur le cerveau. C'est l'occasion pour de nombreux chercheurs, chercheuses, enseignants-chercheurs, médecins, en fait tout le personnel qui travaille en recherche, d'aller près du public et de rencontrer ce public et de partager avec lui sur nos avancées, tout ce qui se fait dans les laboratoires. On discute aussi des enjeux sociétaux liés à nos découvertes et l'implication pour le futur de la société civile. Comme je l'ai dit, la particularité de cet événement, c'est d'être patronné par une seule société, la Société des neurosciences, et de couvrir l'ensemble du territoire. C'est donc un événement spectaculaire par sa dimension, par le nombre de personnes mobilisées, par le succès du public, comme vous êtes là ce soir, et par la qualité de la programmation. En 2021, malgré la pandémie de la Covid-19, il y a eu plus de 80 000 personnes, jeunes, adultes, qui ont participé à l'événement. Une autre particularité de la Semaine du cerveau, c'est d'être partout porté par des bénévoles, des volontaires, qui travaillent avec une énergie sans faille chaque année pour animer cette semaine. L'ensemble de ces manifestations partout en France sont gratuites et c'est très important pour la société. C'est une chose à laquelle on tient beaucoup. Malgré tout ça, c'est gratuit, mais faire des événements comme ceux de ce soir, il faut quand même trouver de l'argent. C'est toujours le nerf de la guerre. Donc, pour ça, on a des sponsors. Donc, je tiens vraiment à les remercier très chaleureusement. Donc, on a des sponsors au niveau national, que vous voyez sur la ligne du haut, et des sponsors locaux. Malgré ce soutien des sponsors, on a du mal à avoir un équilibre financier. Donc, l'an dernier, nous avons décidé dans la société de créer un fonds de dotation neurocitoyen. Donc, ce fonds a pour but de promouvoir le partage des connaissances dans le domaine des neurosciences en organisant des événements vers le grand public. Donc, cette semaine est bien sûr l'action phare de ce don. De ce fonds de dotation. Donc, si vous souhaitez contribuer au maintien de cette semaine et à sa diversité partout sur le territoire français, vous pouvez faire un don qui sera utilisé pour cette semaine du cerveau. Je vais maintenant, au nom de la Société des neurosciences, conclure. Donc, pour ça, je dois remercier la coordination nationale, Laurence Enfumé et Isabelle Dussard, à Paris, qui coordonnent l'ensemble de la semaine. Le secrétariat de notre Société des neurosciences, donc moi je suis présidente, je suis élue pour 2 ans et après ce sera un autre président. Il y a des gens qui travaillent toute l'année pour cette semaine. Donc Isabelle Conjat, Clémence Fouquet, François Lafitte et Zoé Gervais. Donc je les remercie pour leur implication pendant la semaine du cerveau, mais bien sûr surtout pendant les semaines qui précèdent où elles ont énormément de travail. Alexia Belleville qui est notre relais vers la presse. Et puis, je voudrais aussi remercier Cécile Massit, qui malheureusement est malade et n'est pas là ce soir, qui travaille à l'Institut des neurosciences et qui a fait que cette soirée va être enregistrée et sera donc immortalisée. On la verra sur YouTube demain. Donc, merci à tout le monde. Et maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Christine Bordeaux, qui représente notre université, Grenoble-Alpes, et qui sans qui rien n'aurait lieu non plus à Grenoble. Puis ensuite à Marcella Perron, qui coordonne le comité local grenoblois de la semaine du cerveau et qui, toutes les deux, vous diront tout ce qu'on va avoir toute la semaine et ce qu'on va avoir ce soir. Donc, merci encore. Merci Annie, bonsoir à tous, chers collègues, chers étudiants, chers publics. Quelle joie de vous revoir. Pour beaucoup à visage découvert. Quelle joie de revoir l'orchestre des campus que j'ai pas pu vous entendre pendant 2 ans. Vous nous avez vraiment beaucoup manqué. Et j'ai vraiment plaisir à inaugurer cette soirée qui réunit les arts et les sciences grâce à la présence de l'orchestre et grâce
à l'engagement de bénévoles absolument formidables parmi nos collègues. Alors c'est la 24e édition de la Semaine du Cerveau, un événement dont le succès ne se dément pas. Vous êtes encore cette année très nombreux. L'année dernière, vous étiez nombreux, mais on était là en mode plutôt virtuel. Et on revient en mode présentiel, enfin, cette année, avec un thème très stimulant, entre art et science, cerveau, musicien, électro. Alors, l'équipe a concocté un programme dont Marcella va vous parler, mais je peux déjà dire que ce sont des formats très variés, très innovants, dans des lieux très variés, dans le campus, ici dans la salle Olivier Messiaen, à l'auditorium du musée de Grenoble, bientôt, à l'hexagone de Mélan. Et je voudrais dire à quel point ces actions science-société sont importantes. Nous sortons d'une période où nous avons touché du doigt, plus que d'habitude, la nécessité de diffuser non seulement les savoirs et les connaissances, mais également la méthode scientifique et la prudence qu'il faut avoir lorsque on est scientifique et qu'on est interrogé sur des sujets sur lesquels la recherche est en cours. Donc ces actions science-société sont très importantes, elles sont bénéfiques pour la société, et l'UGA vient d'obtenir le label science-société du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et c'est à vous qu'on le doit, c'est à l'engagement de tous les collègues et à tous ces projets tellement beaux et tellement innovants que vous organisez. Donc je joins à ces remerciements, des remerciements pour la ville de Grenoble et pour les musiciens du Louvre qui ont facilité l'accès à cette salle à laquelle on est très attaché, et également à Grenoble-Alpes Métropole qui cofinance cette opération par le biais de notre convention de partenariat entre l'Université Grenoble-Alpes et la métro. Et je ne voudrais pas être trop longue parce que vous n'êtes pas venu pour entendre nos discours, vous êtes venu pour cette soirée Art et Science, et je passe le micro à Marcella, que je tiens à remercier très chaleureusement. Merci beaucoup. Ah oui, pardon, l'habitude. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. On est vraiment ravis de vous recevoir. Il m'a spoilé tout ce que j'avais à dire, Marie-Christine. Donc peut-être je veux passer directement pour vous dire qu'à Grenoble, les chercheurs qui étaient là avant moi, ils coordonnaient déjà la Semaine du Cerveau à Grenoble. Et c'était une des villes qui organisait cette semaine depuis sa première édition, donc depuis 1999. Et chaque année, on reçoit entre 1500 et 2000 personnes qu'on a l'opportunité donc d'échanger avec eux sur les recherches sur le cerveau. Donc on fait des actions non seulement dans des lieux d'art et de spectacle, mais aussi dans les lycées, dans les écoles et dans les laboratoires de recherche également, quand le temps il les permet. Donc comme vous savez, cette année l'édition c'est le cerveau, musicien électro, le cerveau qui a de l'activité, entre autres, il fonctionne grâce à l'électricité, d'où ce jeu de mots qu'on a essayé de faire, je crois que c'était toi Isabelle qui l'avait trouvé. Donc comme on a dit, on a des spectacles un peu partout dans la ville de Grenoble, et vous pouvez les trouver dans le site de la Société de Neurosciences. Tous ces spectacles, ils sont gratuits. Cette année, vous pouvez réserver en ligne dans le site de l'UGA. Vous savez directement, si vous tapez Semaine du Cerveau, vous tombez sur les programmes. Et vous pouvez donc aller, ils sont gratuits. Vous pouvez aller, on vous attend nombreuses, dans ces différents spectacles qui auront lieu donc chaque soirée de la semaine de cette semaine. Donc demain, ça va être au campus de Grenoble, mercredi aussi avec une conférence au débat du champ de neurones, mercredi il y a des conférences-concerts à la salle Est, et vous avez aussi des spectacles à l'Hexagone jeudi et vendredi, ainsi que samedi soir au musée de Grenoble. Donc tout ceci ne peut pas avoir lieu, bien entendu, avec tout le comité des réalisations de cette Semaine du Cerveau. On est tous des bénévoles, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche, des chargés des cultures et des cultures scientifiques, des nos tutelles, donc de l'UGA, bien entendu, le CHU de Grenoble, et aussi on est des chercheurs des différents laboratoires de recherche de Grenoble qui ont à voir en lien avec le cerveau, donc le laboratoire de psychologie et neurocognition, le GIPSA Lab et l'Institut de neurosciences. Et on arrive à la soirée,
donc pour ne pas prendre trop de temps, et qui va avoir lieu aujourd'hui sur l'improvisation de la musique au niveau cérébral. Et pour ce faire, on a donc l'orchestre du campus de Grenoble et aussi le duo Nautilis avec Christophe Rocher, Nicolas Pointard et aussi une conférence interactive avec Nicolas Farrucha de l'université de l'école des mines de télécom de Brest. Merci. Vous pouvez donc nous suivre dans les différents réseaux sociaux. Merci. Profitez bien. Un peu de douceur. Thank you.
laisser démarrer avant. Bonsoir à tous. Rebonsoir. Alors je vais expliquer un petit peu ce qui vient de se passer, mais en fait la meilleure manière de l'expliquer c'est de présenter un petit peu le projet. Mais en deux mots, là ce que Christophe va faire, c'est qu'il va réécouter en fait ce qu'il vient de jouer et il va faire une espèce d'adaptation rétrospective. En fait, il va essayer de se repasser dans sa tête. Il va essayer de se souvenir de son état mental, de l'état dans lequel il se trouvait quand il improvisait à la seconde près. Je vais donner quelques détails, mais du coup, là, c'est pour ça qu'on a récupéré le fichier, il est en train de lancer le truc, donc il va essayer de réécouter ça. En fait, un des objectifs principaux de ce projet-là, c'est qu'on fait le lien entre l'enregistrement d'électroencéphalographie, donc l'activité cérébrale, et cette annotation, qui est une annotation rétrospective. Donc il y a tout un tas d'hypothèses derrière ça, j'en parle un petit peu. Mais donc avant de rentrer dans ce détail-là, c'était juste un petit teaser pour vous donner une idée. Je vais vous parler un peu plus du contexte général de ce projet-là. Donc moi je m'appelle Nicolas Farrugia, je suis maître de conférence à IMT Atlantique à Brest et je suis chercheur en neurosciences, intelligence artificielle et son. Ce sont mes trois domaines de recherche qui s'entrecroisent. Et je suis aussi musicien et c'est assez naturellement que j'en suis arrivé à faire des projets qui s'intéressent à la fois à la musique et au cerveau. Donc le projet qu'on vous présente aujourd'hui s'appelle Brain Songs, et il y a trois volets dans Brain Songs. Aujourd'hui on parle du premier volet, il s'appelle Brain Songs 1. Et ce Brain Songs 1, il a été créé, en fait, le premier volet a eu lieu à la Semaine du Cerveau, mais à Brest, et c'était en 2019. Et on a retenté cette expérience plusieurs fois pour essayer de voir à quel point le concept qu'on développe est reproductible. Et donc c'est le concept que je vais vous détailler aujourd'hui. Brain Songs, c'est une collaboration avec l'ensemble Nautilis. Nautilis, c'est un ensemble basé à Brest, qui est dirigé dans la direction artistique et est effectué par Christophe Rocher, ici, qui est clarinettiste, compositeur et directeur artistique donc, de Nautilis. Alors avant de rentrer dans Brain Songs, on va parler un petit peu de neurosciences et musique, donc c'est le thème de la semaine. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. On va dire dans les 20 dernières années, il y a eu un regain d'intérêt énorme en neurosciences et musique à s'intéresser en fait à l'effet de la musique sur le cerveau. Donc il y a tout un tas d'ouvrages tout aussi fascinants les uns que les autres qui ont été publiés. Il y a beaucoup de ces ouvrages qui sont en français, qui ont été traduits ou qui sont directement disponibles en français. Donc je vais parler très très rapidement de ces ouvrages-là au cas où vous voudriez creuser un peu. Oliver Sacks était neurologue. Donc lui, il parle vraiment de sa pratique de clinicien, de docteur, neurologue, et de l'expérience qu'il a de l'effet de la musique sur certains de ses patients. Et donc c'est vraiment l'approche plus médicale sur comment la musique peut aider ou quel est le rôle joué par la musique dans le cas de certains troubles neurologiques. L'ouvrage qui est tout en bas à gauche, en fait, c'est une collaboration entre deux compositeurs, Pierre Boulez, Philippe Manoury, et Jean-Pierre Changeux, qui est donc un neuroscientifique français très très connu, qui est vraiment une espèce de... C'est un dialogue à trois, en fait, à trois voix, sur cette question de neurosciences et musique. Donc c'est vraiment sur l'effet de la musique sur le cerveau, de manière un peu générale, en se passant aussi du point de vue du compositeur. Il y a aussi deux ouvrages que je voudrais citer, qui sont plus... un qui est plus philosophique, l'expérience esthétique, qui va vraiment expliquer en quoi, en fait, vivre la musique, ou regarder un tableau, ou même juste... partir en randonnée ou n'importe quelle activité qui fait rentrer dans la contemplation a un point commun. Et ce point commun, c'est cette forme d'expérience qui est unique, dans laquelle on va engager notre attention, on va engager nos émotions, on va créer des souvenirs, on va avoir tout un tas toute l'idée de notre construction personnelle qui va s'engager là-dedans. Je vous en parle parce que c'est très lié à cette expérience subjective et c'est une des dimensions qui nous intéresse beaucoup dans Brain Songs. Donc voilà, après, bon, évidemment, on pourrait passer beaucoup de temps à parler de tous ces livres-là, mais je voulais juste vous montrer qu'il y a tout un panorama il y a tout un ensemble de manières dont on peut étudier la musique et le cerveau, son effet sur la mémoire, sur la thérapie, sur la rééducation de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson.
et aussi des phénomènes plus étranges comme pourquoi est-ce qu'on a des boucles de musique qui nous tournent dans la tête, ou alors comment est-ce qu'on est capable de jouer en rythme, comment on est capable de se synchroniser à un rythme externe. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Et en fait, une des raisons, c'est qu'on s'est rendu compte relativement récemment que la musique en fait, stimulait un très très vaste réseau cérébral. Donc en fait, on a si on rentre un tout petit peu dans le détail des zones du cerveau, donc ça c'est un article de Robert Zator de 2007, et en fait on y voit notamment les zones qu'on appelle les zones temporales qui sont sur les côtés du cerveau, qui sont les zones, ce qu'on appelle les zones auditives, auditives primaires, auditives secondaires, qui sont en fait les projections dans lesquelles arrive le son qui vient des tympans via différents relais, et ça arrive à la fin dans les cortex temporales, dans les zones auditives. Donc ça c'est vraiment les zones du son, on va dire, c'est les zones auditives, mais il y a en fait également plein d'autres zones qui sont activées lorsqu'on écoute de la musique ou qu'on en joue. Donc il y a évidemment les zones motrices qui permettent de faire bouger les doigts, mais il y a aussi en fait tout un tas de zones liées aux émotions, à la mémoire. Donc il y a la musique, c'est un bon modèle en fait pour étudier le couplage de plein de régions différentes et de plein de systèmes différents dans le cerveau. Donc ça c'est vraiment pour le cadre assez général de pourquoi la musique est un bon modèle en fait pour étudier le cerveau. Et c'est aussi un bon modèle pour étudier la plasticité cérébrale. Donc on a besoin en fait de la musique façonne le cerveau en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de pratiques, ça va modifier des connexions, ça va renforcer certaines connexions. Donc en fait on s'est rendu compte que les musiciens avaient certaines parties du cortex moteur qui étaient davantage développées, certaines parties du cortex auditif qui étaient davantage développées également. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que la musique, c'est un modèle intéressant pour les neuroscientifiques. Et donc nous, on s'intéresse plus précisément à l'improvisation musicale. Alors l'improvisation musicale, là, elle a une distinction assez curieuse. Donc ça, c'est une citation de Derek Bailey, qui est un musicien de jazz et qui a écrit un livre sur l'improvisation dans les années 80. Et en fait, Derek Bailey nous dit qu'en gros, l'improvisation, c'est à la fois quelque chose qui est très 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 largement pratiqué dans toutes les cultures, mais qui est aussi très peu reconnu et très peu compris. Donc c'est quelque chose que, spontanément, on peut se mettre à improviser. En fait, quand un enfant découvre un instrument la première fois, il improvise, il n'a jamais étudié la musique. On a beaucoup de cultures en fait, où l'improvisation fait partie de la pratique musicale, et on pense que les humains ont improvisé depuis très très longtemps. Dans ce sens-là, en fait, l'improvisation, c'est un phénomène, l'improvisation musicale, c'est un phénomène qui est intéressant, parce qu'il est vraiment à la croisée entre beaucoup de disciplines. Donc on va s'intéresser à l'angle neuroscientifique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres dimensions ici qu'on peut développer. Donc évidemment, il y a l'aspect musicologique. Donc c'est évidemment, on parle de musique, donc les musicologues s'intéressent à l'improvisation. Il y a un aspect anthropologique. Donc comme je l'ai dit, c'est une forme précoce et universelle d'expression libre et spontanée. Les anthropologues s'intéressent aussi à ces phénomènes d'improvisation. Il y a une dimension sens humaine, notamment sociologie. On pourrait parler notamment des liens entre improvisation, notamment dans le milieu du jazz, et l'émancipation des communautés afro-américaines dans les années 60-70. Donc c'est des thématiques de recherche qui ont été très liées. Donc l'improvisation pour l'émancipation. Et donc, ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, du côté des sciences cognitives et des neurosciences, l'improvisation, donc c'est des phénomènes assez complexes d'interaction interpersonnelle, et aussi beaucoup de couplage entre plein de fonctions différentes dans le cerveau. Donc on a besoin de se coordonner avec les autres, on a besoin d'être spontané, on a besoin de lâcher prise, on a besoin d'être désinhibé, on a besoin évidemment de maîtriser son instrument également. Donc il y a tout un tas de choses assez complexes, donc une large gamme de fonctions cognitives. Donc il y a tout un tas d'études en laboratoire qui ont été effectuées pour étudier l'improvisation musicale. Donc quand je dis études en laboratoire, je parle d'études d'électroencéphalographie, donc des électrodes qui vont mesurer le courant électrique. On pourrait étudier aussi la magnétoencéphalographie, la même chose avec le champ magnétique, ou l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, qui va vraiment donner des images de l'activation cérébrale, l'IRM fonctionnelle, ou l'IRM structurelle. Donc c'est des études en laboratoire, c'est-à-dire qu'on a des cadres très contrôlés, très précis, très restreints. Et donc il y a deux questions principales qui ont été étudiées en laboratoire. C'est quelle est l'activité cérébrale pendant l'improvisation et quel est l'effet de l'improvisation sur le cerveau en termes de plasticité cérébrale à long terme. C'est-à-dire, est-ce que l'improvisation modifie le cerveau? Est-ce que les cerveaux des improvisateurs sont différents des non-improvisateurs, si ça existe? Donc
ces études, elles sont résumées dans la figure suivante. Alors, je vais pas détailler toutes les zones du cerveau, tout ça, mais c'est pour vous dire qu'en fait, donc le travail de Roger Beaty en 2015, il a fait un panorama de toutes les études qui avaient été faites. Et il a essayé de voir s'il y avait des activations communes de réseaux cérébraux qui étaient souvent retrouvées. Et donc on se rend compte, par exemple, que bon, évidemment, on a besoin des cortex moteurs pour improviser, parce qu'il faut bouger. On a besoin des cortex auditifs, mais aussi des zones qui sont considérées comme étant plus des réseaux du contrôle ou plutôt de l'inhibition, donc de le fait de lâcher prise pour pouvoir du coup arrêter de réfléchir à ce qu'on fait mais jouer de manière spontanée. Donc des choses comme ça qui sont un petit peu évidentes, qui tombent un peu sous le sens, mais c'est bien de les avoir validées scientifiquement avec des méthodes de laboratoire. Donc ça, c'est pour ce qui est des études en laboratoire. Quand j'ai rencontré Christophe Rocher, je lui ai parlé un peu de ces études-là et on s'est dit, bah, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'on rate un petit peu l'essence même de l'improvisation, qui est quelque chose de plus dynamique, de plus spontané et qui est peut-être difficile à capturer en laboratoire. Donc on s'est dit qu'en fait on pourrait certainement trouver une manière plus intéressante, enfin pas plus intéressante mais plus écologique comme on dit, c'est-à-dire d'essayer d'étudier vraiment des conditions qui ressemblent à ce que fait un improvisateur dans sa vie quotidienne, dans son milieu naturel, entre guillemets, dans son habitat. C'est le sens du mot écologique, c'est d'étudier les êtres vivants dans leur habitat. Donc là, on va étudier l'improvisateur dans son habitat, qui est le concert, le club de jazz, ou la performance artistique. Et donc là, c'est vraiment un cadre de collaboration entre scientifiques et artistes. Donc c'est un projet art et science, c'est une dimension auquel on tient beaucoup. Et c'est vraiment de se poser la question, est-ce que les artistes peuvent aider les scientifiques à générer des nouvelles hypothèses, des nouvelles manières d'étudier les phénomènes? Et de l'autre côté, est-ce que les scientifiques peuvent peut-être aider les artistes à se questionner sur leurs pratiques créatives? Donc du coup, on a choisi d'étudier l'improvisation musicale par l'angle de l'état subjectif du musicien. Donc c'est un peu ce que Christophe est en train d'essayer de faire là, c'est-à-dire qu'il réécoute ce qu'il a joué et il va essayer de se repasser un peu ce à quoi il a pensé à ce moment-là. Alors ça semble absolument infaisable comme ça, donc on a essayé de le simplifier un petit peu. On a été obligé de réduire un petit peu, alors pas autant qu'on réduit en laboratoire, mais on a été obligé de réduire un petit peu pour que ça soit quand même possible de l'étudier. Donc l'étude qu'on a faite, c'est une étude sur un sujet unique, donc c'est Christophe Rocher. Là, alors c'est forcément, ceux d'entre vous qui sont dans la communauté scientifique savent que les études en sujet unique, c'est des choses qui sont soit très très médicales, où on va avoir un patient d'une maladie extrêmement rare, qu'on va documenter à fond. Bon, là c'est pas le cas, c'est un musicien... exceptionnel, mais ça reste, c'est pas un patient. Et les études à sujet unique, c'est aussi des choses sur lesquelles ça n'a pas vocation à généraliser, évidemment. On est bien d'accord qu'on parle d'une personne, et peut-être que ce qu'on fait, ça ne se généralisera pas à d'autres personnes. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, on a pu en discuter. Et surtout, on en a discuté beaucoup. On a passé beaucoup de temps à faire des pilotes, des allers-retours, à vraiment se poser la question, quel serait le protocole idéal, et quelles seraient les choses qui, pour toi, seraient importantes d'essayer de quantifier, d'essayer de comprendre. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est le protocole que vous avez vu aujourd'hui. Donc on enregistre l'audio, donc là il y avait une prise de son professionnelle, donc on a pu en profiter, et l'électroencéphalographie, quand ça marche. Et du coup, chaque enregistrement, il est suivi d'une phase de réécoute, où en fait Christophe va réécouter ce qu'il vient jouer. Et pendant cette phase de réécoute, donc là, c'est ce que j'ai mis, c'est une hypothèse émergente, parce que c'est une hypothèse qui est née de la discussion avec le musicien, avec Christophe, c'est de faire un lien en fait entre l'état subjectif de ce qu'il arrive à se rejouer, de ce qu'il se souvient de quand il improvisait, et deux mesures. Une mesure sur l'état de flow, alors je vais expliquer ce que c'est dans un moment, et une mesure qu'on a appelée résolution temporelle subjective. Alors ces deux mesures-là, donc la première, elle est assez intuitive. En fait, l'état de flow, c'est quelque chose qui est commun aux artistes, aux athlètes, aux créatifs, aux peintres, aux littéraires. On peut même rentrer en état de flow en faisant une randonnée. Enfin, c'est en fait le fait de lâcher prise, de perdre notion du temps, de se retrouver emporté dans une... de se retrouver absorbé, en fait, plutôt, dans une activité. Et donc ça a été étudié par un angle psychologique. Il y a tout un tas de dimensions qui caractérisent cet état de flow. Il y a des publications dans des conditions de laboratoire qui aussi essaient de faire des liens entre le moment où on rentre dans l'état de flow, il y a aussi des liens avec la personnalité, avec tout un tas de choses. Donc en fait, l'état de flow, on essaie de le quantifier à chaque instant, c'est-à-dire à chaque instant, il a un curseur et il essaie de dire est-ce qu'il était dans un flow maximal, c'est-à-dire qu'il pensait, il était complètement dans la musique, il a arrêté de penser à ses doigts, à ses notes, est-ce qu'il a joué faux, etc.
vraiment qu'il était dans le lâcher prise musical créatif. C'est quand le flow il est haut, quand le flow est bas, ben, ça veut dire qu'il s'est déconcentré, que tout d'un coup il est sorti du concert et il a dû faire un effort pour revenir dedans. Donc ça c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, on appelle ça résolution temporelle subjective, en fait c'est le temps du musicien. Est-ce qu'il était en train de penser dans un temps rapide ou dans un temps lent ? C'est aussi simple que ça. Et donc on a essayé de le quantifier aussi avec une échelle continue. Et donc ça c'est quelque chose qui est sorti de la discussion. Christophe m'a dit, moi quand j'improvise, j'ai vraiment des moments où je pense très très vite et des moments où je pense très très lentement. Donc on s'est dit, bah, on va essayer de le quantifier, on va voir si on arrive à faire des mesures répétées là-dessus. Donc on a mesuré l'électroencéphalographie. Alors ça c'est une infographie qui vient du CEA, qui a été faite pour expliquer un peu comment marche l'électroencéphalographie. Donc les électrodes, en fait on place des électrodes sur le cuir chevelu. Et donc ces électrodes... elle enregistre un potentiel électrique, donc vraiment comme c'est un voltmètre en fait, on enregistre une différence de potentiel entre plein d'électrodes et une référence, donc il faut décider d'une référence, là on utilise des références sur les lobes des oreilles. Et en fait à l'intérieur du cerveau, les neurones quand ils déchargent, quand ils s'activent, en fait ils génèrent des potentiels d'action, donc c'est une différence de potentiel qui en fait va se propager dans un milieu et va arriver au niveau de, donc va traverser différents milieux et ça va arriver au niveau du cuir chevelu après avoir traversé la boîte crânienne, la matière externe, l'os, etc. Et donc ça va générer des petites fluctuations comme vous avez vu tout à l'heure sur l'écran, dans les quelques secondes où ça a fonctionné. Et du coup, on enregistre ces fluctuations là, on les synchronise avec le son et après on peut faire des liens entre les deux. Donc très rapidement, je vois qu'on est déjà un petit peu passé le temps, donc je vais essayer j'ai quasiment fini. Donc on a fait un lien entre l'état subjectif mesuré, donc tel qu'il le réécoute là, et l'activité cérébrale. On s'est rendu compte qu'il avait un état de flow qui était généralement très élevé, et en fait quand il descendait, ben, il essayait de revenir le plus vite possible dans un état de flow. En gros l'objectif c'était d'être toujours le plus haut dans cet état de flow. On n'a pas fait beaucoup d'analyses spécifiquement sur l'état de flow, on s'est plutôt intéressé au deuxième paramètre, qui est le temps subjectif. Donc on a fait des analyses qui ont permis en gros de simplifier en deux grandes catégories, qui étaient un temps plutôt rapide et un temps plutôt lent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des variations importantes entre les différentes performances. On a enregistré 3 performances, aujourd'hui c'est la 4e qu'on enregistre. Donc pour la 4e on ne sait pas encore, mais pour les 3 premières, on a vu qu'il y avait des différences assez importantes dans les variations entre ces deux temps subjectifs. Et donc le résultat principal, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de la puissance de certaines fréquences des ondes cérébrales quand on comparait en fait les temps subjectifs rapides et lents. Donc ça c'est vraiment le résultat, on va dire, le plus marquant du papier, enfin de l'étude qu'on a faite là, qu'on a publiée. En fait on s'est rendu compte qu'il y avait, donc vraiment c'est les oscillations cérébrales, on peut les caractériser en termes de puissance, un peu comme le son, hein, on peut grouper les puissances, les fréquences basses, les fréquences élevées. Donc là on a les bandes de fréquences en EEG, alors c'est controversé mais on peut les nommer, donc les bandes θ, la bande bêta, sans rentrer dans le détail, on s'est rendu compte qu'on avait une augmentation de puissance quand il était dans le temps subjectif rapide. Et on a contrôlé ça en fonction du nombre de notes qui étaient jouées à la clarinette, ce qu'on a analysé à partir de l'audio, parce qu'en fait, quand il joue, évidemment, on mesure l'EEG, on a aussi une composante motrice de l'EEG, donc on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas une influence du nombre de notes jouées dans l'effet qu'on trouvait sur les oscillations cérébrales, ce qui montrerait que l'effet qu'on a trouvé, il dépend bien de l'état interne et pas de l'activité motrice. Et donc ces effets qu'on a trouvés là, ils sont comparables, on va dire, à d'autres choses qui existent dans la littérature, des liens entre les oscillations cérébrales et le concept de temps subjectif, plutôt pour ce qui est de la pulsation musicale, ou le fait de prédire la longueur d'un intervalle, la prédiction temporelle, le fait d'arriver à savoir quand un événement va arriver. Donc il y a différents, et aussi des choses sur la perception subjective du flow, du temps pendant l'état de flow. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a un article qui a été publié l'an dernier là-dessus. Et du coup, on en est arrivé à se poser quelques questions sur comment est-ce qu'on pourrait continuer ces choses-là. Donc on a essayé de reproduire cette expérience-là en refaisant exactement le même paradigme, en réanalysant les données de la même manière pour voir si ça fonctionne toujours. Donc c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Et du coup, comme étape suivante, on peut essayer de faire des choses un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut essayer de modéliser la musique à partir de l'état mental ? Donc ça, on s'est amusé à le faire un petit peu. C'est-à-dire, est-ce qu'il joue d'une manière différente en fonction de son état mental ou en fonction des ondes cérébrales ? Est-ce qu'on peut, par exemple, reconstruire en partie certaines caractéristiques de la musique à partir des ondes cérébrales ?
Donc c'est un projet en sciences ouvertes. On a vocation à publier en fait les données aussi, tout ça. Donc c'est des choses aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On est ouvert à une collaboration là-dessus. Et sur ce, je vais conclure en vous disant merci pour votre attention.